Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie. Comme vous le savez, je suis en vacances depuis lundi, depuis ce lundi. Ce qui s'est passé, c'est que samedi passé, malheureusement, je suis tombé malade, grippé, ce qui s'avère, je pense, être en plus le Covid. Je m'en suis gentiment remis, là depuis hier, ça va mieux. Par contre, qu'est-ce qu'il s'est passé hier à cette même place? J'ai eu un tour de rein, un lumbago foudroyant. Ça ne m'était jamais arrivé avec une telle violence. J'en ai carrément vomi pour vous dire à quel point j'en ai souffert. Et là, je remonte gentiment la pente. Donc voilà, oui, pour un cheval qui a loupé une haie, remonter la pente, c'est très très important. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis de la crème et je fais attention à bien varier les plaisirs, c'est-à-dire de ne pas forcément rester toujours couché, c'est la chose qu'on a envie de faire, mais également de rester assis et surtout de marcher. C'est très très important. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je me rends compte qu'avec nos acouphènes, et c'est ce que je vous ai toujours dit, il faut essayer d'en faire abstraction, de les oublier, de ne pas y penser en faisant d'autres choses, que ce soit des choses positives, que moi j'appelle positives, comme travailler, sortir et voyager. Mais même dans les choses négatives, je me rends compte que les acouphènes passent en second plan ou au second plan. Quand j'étais grippé, covidé, je n'ai pas pensé une seule seconde aux acouphènes. Et hier soir, quand j'ai eu cette crise très intense, très violente de tour de rein, à aucun moment j'ai pensé aux acouphènes. Alors vous me direz, est-ce que c'est parce que mes acouphènes sont plus faibles que l'autre douleur? Moi je pense surtout que c'est parce que je m'y suis habitué. Finalement, les acouphènes, je me rends compte quand il y a quelque chose d'autre à côté, je n'y pense pas du tout. Je les connais, je sais exactement comment les gérer, comment m'en occuper. Du coup, à comparaison égale, on va dire, ou à douleur égale, moi je n'y pense absolument plus du tout. Donc voilà, c'était pour vous dire que je ne passe pas forcément une première semaine de vacances exceptionnelle. J'ai fait un petit peu, on va dire, de rangement, j'ai déplacé quelques meubles. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me suis fait un tour de rein, mais il me semble que j'en ai pas trop abusé. Ce que je voulais vous dire également, c'est que je ne vais peut-être pas réussir à faire mon live de 24 heures ou 12 heures ou même un live tout court uniquement pour des causes de santé. Alors, j'ai eu dernièrement quelques petits soucis techniques lors de mes lives. Hier, j'ai reçu ma nouvelle fibre optique qui est beaucoup plus rapide que la précédente. Mais vraiment, je ne peux rien vous assurer, je ne peux rien vous promettre. Vraiment, là, on dirait pas comme ça parce que j'ai le sourire et je suis positif. Mais j'ai très 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 mal au dos et je ne suis pas encore remis à 100% de cette grippe Covid. Du coup, je préfère vous le dire, je ne peux rien vous promettre à ce niveau-là. Ce que je peux vous promettre par contre, c'est que ben, forcément, je continuerai à faire des vidéos uniquement sur le sujet des acouphènes. Certaines et certains l'ont peut-être déjà remarqué, j'ai fait un petit peu de nettoyage sur la chaîne et j'ai effacé toutes les vidéos qui n'avaient rien à faire ou rien à voir avec les acouphènes. J'ai une chaîne secondaire, alors là mon but c'est pas de faire la pub de cette chaîne secondaire, mais c'est sur cette chaîne secondaire que vous pourrez trouver d'autres vidéos, des vidéos que ce soit déballage, ASMR, découverte, miam miam, manger et dégustation. Donc c'était pour vous dire que là, on reste uniquement sur le sujet des acouphènes. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un petit peu un bulletin de nouvelles acouphéniques à mon sujet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.